Et bonsoir les gens, c'est Willy et on se trouve pour l'épisode 46 de notre Let's Play sur Pokémon Heart Gold. Et du coup, dernier épisode où on prend notre revanche sur tous les champions de Kanto, sauf le Major Bob. Et du coup, aujourd'hui on va s'attaquer à Janine, la championne des Pokémon type poison. Donc comment vous dire que Steelix va rouler sur la team. Et sinon après on pourra jouer un peu à Ligatueur, un peu les autres Pokémon. Mais le principal c'est que Steelix va jouer parce que les Pokémon type poison n'aiment pas le type psy et le type sol. Et moi j'ai pas de type psy mais j'ai du type sol donc voilà quoi. Allez on commence tout de suite. Je ne peux pas utiliser mes techniques de ninja ici. Mais je vais quand même te battre. Et bien fait donc. N'ose t'en faire. Ça commence très bien parce que ça tombe sur un Pokémon qui ne peut pas être touché par Zaxol. Donc on va utiliser l'âme de roc. Ça apprend canicule ce Pokémon. Ah bon. Eh bien on va vite te tuer alors hein, mon petit. Allez faites que ça mette KO en un coup. Ça met pas KO en un coup. C'est très dommage mais au moins il se heal. Du coup je peux réutiliser une lame de roc. En espérant que ça passe. Ça passe. Parce que tu es gentil, mais... Je ne veux pas... Je ne veux pas perdre ce Pokémon dès le début. J'ai trop morflé avec Ondine pour que ça se reproduise. Allez, Steelix. Tu le fais passer, cette attaque, hein. Non! Allez, faut qu'elle passe. Si ça passe pas, je meurs. C'est tendu, hein. On commence déjà à serrer les fesses alors que c'est que le premier Pokémon. Quatox. Ah, Quatox. Je peux changer de Pokémon. Je peux mettre Dracolos. Je peux très bien mettre Dracolos. Pour utiliser une cruelle. Ah là, Quatox, c'est tellement... Un Pokémon tellement stylé, hein. Rappelez-vous, j'en avais un, moi. J'en avais un dans Diamant. Mais malheureusement, ça craint énormément le type vol. Smogogo. Ah, encore un Pokémon qui n'a pas peur des attaques de type sol. Donc je ne peux pas utiliser mon Steelix. Je peux utiliser par contre... personne en fait. Hein. On va garder Dracolos. Avec sa Draco charge. Voilà. Ah, il m'empoisonne. Je rate ma Draco charge. Je peux peut-être tenter de le mettre KO avec une cruelle, mais j'ai peur que ça rate en fait. Enfin, que ça le mette à... Ça laisse à un PV qui se soigne après. Mais après, on peut tenter, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Et ça passe. Très bien. Par contre, je suis empoisonné, c'est très chiant. Aéromite. Ah, Aéromite. On peut rester encore sur Dracolos. Hein. Dracolos qui fait une cruelle et c'est bon, on n'en parle plus. Ou une onde de choc. On va faire une cruelle pour commencer. Ah bah parfait, ça met KO. En plus comme ça, je passe au niveau 62 avec Dracolos. Je souffre du poison. Mais c'est pas grave, Dracolos, je vais te switch. Ah, Drascore. J'ai envie de tenter Steelix. On peut tenter, hein. À tous les coups, ça peut passer et mettre le séisme qui met KO, quoi. On peut tenter. Allez, YOLO. Il fait une danse lame.
Ok. On peut peut-être gagner. Draskor, c'est pas mal aussi comme Pokémon, j'aime bien. Enfin, je l'aime bien niveau style, mais en même temps, c'est tous les Pokémon de Sinnoh, ils sont tellement stylés, hein. Et je mets KO. Migalos. Ah, on va garder Steelix. Ça prend des risques, mais... Mais j'adore ça. Je suis KO. Mais j'ai pris du risque, c'est bien. Faut le noter, hein. On va jouer à ligature. Il est type insecte poison, je crois. Donc hop, un crogivre. Il va prendre très cher. Pas du tout. Mais contre une attaque surf ou une attaque machouille, il va prendre cher, non? De toute façon, on est large. On peut tenter des trucs, hein. Il reste plus qu'un Pokémon, on a encore toutes nos teams, donc... Ok, il me fait des ténèbres, c'est pas trop grave. Je perds pas beaucoup de PV. Ça se présente mal. Non, ça va mal. Oui. Tiens. Soigne-toi, mais c'est pas grave. Moi, je te mords. Voilà, la mâchouille qui passe. Qui fait plutôt mal. On fait un surf pour terminer. La confusion qui ne fait rien du tout à Ligature. Hein. À Ligature, ça me bat les couilles. Quelle force. Oui. Je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais je gagnerai la prochaine fois. Ouais. Bon, suivant, ça va être Sabrina, mais je vais d'abord me soigner, vous connaissez la chanson. A tout de suite. Alors, Sabrina, championne de type psy, qui aime pas donc les types insectes, les types ténèbres, le type glace, il me semble. Je pense, hein, moi, logiquement, je crois que c'est le type glace. Et c'est tout, je crois, mais ça fait déjà beaucoup. Donc, c'est pas mal, on peut essayer de jouer Scarino. Scarino, même s'il est type combat, hein, vous le savez, c'est un peu... risqué de le jouer, mais on va essayer. D'abord, je vais mettre mes autres Pokémon. Parce que, à tous les coups, ils vont me sortir un Pokémon bien pourri qui va être une galère à tuer pour Skynoh. Donc, je mets Alligator. J'étais sûr que tu viendrais. J'en avais le pressentiment. Comment ça, c'était prévu? Pas faux. Allez, deuxième combat de l'épisode. Ah, c'est Morgane, merde. Sabrina, c'est qui, du coup? Il y a pas de chance, c'est Sabrina. Peut-être c'est une conseil 4. Ah, Alakazam. Alors, Alakazam, Machouille. Voilà, je mets KO en un coup, hein. On voit que c'est puissant. Je level up avec Alligator. Monsieur Mime. On peut changer de Pokémon, on peut passer à Scarino pour faire la méga corne. Allez hop, une méga corne. Ça devrait faire plutôt mal. Ça fait plutôt mal, ça met KO en un coup. C'est super efficace, bien entendu. Mentally. On garde Scarino. Même si Mentally est un peu rapide, je crois. Ouais, il est plus rapide que moi. Mais je peux peut-être tanker son attaque. Oui, je tank. Mais est-ce qu'elle tank, elle? Non, il tank pas. Voilà. On est plutôt puissant, mais en même temps, on a... Ça, c'est comme pour Pierre, hein. On a des Pokémon qui peuvent le déglinguer en 2 secondes. Culbut, ok. On garde Scarino. Parce que Culbut, ok,
peut riposter, donc faut que je mette KO en un coup. Et la Megagorn, je pense qu'elle peut mettre KO en un coup. Contrairement à une Machouille. Ah, quoique, il tank, hein, là. Aïe, aïe, aïe. C'est mauvais signe. Non, c'est bon. Lipoutou. Lipoutou, on va jouer Arcanin. Ça fait longtemps qu'on l'a pas joué là depuis quelques champions. On l'a utilisé pour Erika mais après on a pu réutiliser. Allez hop, un lance-flamme. Est-ce que ça met KO en un coup? Ça met KO en un coup. Oh là là, pauvre Sabrina, ça va durer une seconde son combat. Galam. Ah, Galam, c'est un type combat psy. Donc, il faudrait que je joue Carnage ou Dracolos. Lequel a le... Dracolos. Je sais comment ça va se finir. Elle a une cruelle. Oh là là, la puissance de notre team contre le type psy. Ah bah voilà, on l'a soulevé. Évidemment. J'ai limite pas envie de me soigner. Je sens que tu me téléphoneras encore un jour. Ouais. Bah pour l'instant je vais me soigner et affronter Auguste. Quoique j'en ai pas spécialement besoin à part pour Scarino. Mais on va se soigner quand même parce qu'il faut mieux prévenir que guérir. Allez hop, à tout de suite. Bon, Auguste, à nous deux. Tu es de type feu, j'ai des Pokémon de type eau. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après le reste, Tilly, Scarino, c'est un peu dangereux pour eux de jouer mais on peut peut-être essayer de les caser. Au Carnage, Arcanin, ils peuvent pas faire grand chose non plus. Donc on va compter sur Dracolos et Alligator. Ça c'est peut-être un petit peu compliqué, mais on peut toujours essayer, hein. Oh, j'aime les gens ponctuels. Bon, ça fait un peu 4 épisodes que j'attends là, Auguste, mais... Merci de respecter mon retard. Alors, qu'est-ce qu'il envoie premier? Un Chartor, ok. Chartor, c'est pas mal, parce que je peux le one-shot avec mon surf. Voilà. Il est KO. Camérupt. Je peux changer de Pokémon, jouer Dracolos. Pour l'instant, c'est ces mêmes Pokémon. Les mêmes Pokémon qu'il avait pendant notre combat. Allez hop, Hydro-Queue. Ah là, ça fait très mal, c'est très efficace. En même temps, il y a une quadruple faiblesse à l'eau. Donc, ça m'avantage. Volcaropode. On garde Dracolos. Voilà, KO en un coup. Voilà, ça, en fait, j'aurais dû... Concrètement, j'aurais dû mettre... Coller les deux épisodes, hein, Parce que là, je roule sur deux champions. Galopa. Allez, on va mettre un petit peu de Alligator, hein, pour l'entraîner. Allez hop, un surf. Ça met... Ah, il tank. Je suis surpris. Bon, par contre, il va se soigner. Du coup, je vais pouvoir faire une Hydro-Queue et le rebattre avec un surf. Mais ça, faut pas leur dire. Faut laisser un peu d'espoir à ce vieux papy Auguste quand même. On l'aime bien. Il est gentil. Hop, il est KO. Il est KO. Il est KO.
C'est un coup critique, donc c'est cool. Maganon. Allez hop, on continue le combat avec Alligator. Surf. Aïe, son tonnerre risque de me faire assez mal. Ah, il me met KO. Dommage. Mais bon, j'ai encore Dracolos. Dracolos devrait pouvoir tanker une attaque tonnerre quand même, hein, faut pas déconner. Et au pire, j'ai toute mon autre team qui peut se faire le dernier Pokémon. Voilà, Hydro-Queue. Ah, je suis brûlé par le corps ardent. Ah, c'est gênant, mon attaque va baisser du coup. Parce que je crois que quand je suis brûlé, mon attaque est moins forte. Démolos. Aïe aïe aïe, on va changer de Pokémon tout de suite. On va mettre Skyno. Parce que je le sens très mal, le Démolos. Donc on va un coup de close combat, un coup de peut-être de Mega Corn. Pour le baisser, et après on finira avec Dracolos au pire. Notre détermination est sans faille. Ouais, bah prends ça. Essaye de rester déterminé après ce coup. Voilà. Merci Skyno. Parce que quand on connaît le Démolos de la fille la championne 4 là, on s'en méfie après des Pokémon. Ce Pokémon. Mais ma détermination, on n'est toujours pas. Je n'ai pas lu toute la phrase. Oh, si j'avais pu emprunter ce dojo, je n'aurais pas eu à reconstruire mon arène. Non, c'était impossible de toute façon. Mais oui, il y avait Morgane. Non, pas pour l'instant, Timéo. Je dois affronter le dernier champion. Après une ellipse. Ok, donc Blue. Dernier champion d'arène qui me reste à battre. Par qui je pourrais commencer? On pourrait envoyer Steelix pour comme premier Pokémon. Ou Dracolos. Ouais, Dracolos, ce serait pas déconnant. Alors, on met Dracolos. Et on va commencer le combat. Le dernier combat contre Blue. Enfin! On vient se faire battre. Lui, je m'en méfie. C'est comme Sandra. Hein, ça va être la galère de le battre. Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon? Ok, il a redisé son doigt de coco. On peut faire un cruel pour commencer. Ah, est-ce que ça met KO? Ça met KO. Ok, ça va, on commence bien. Rappelez-vous, son coco m'avait mis dans la galère à cause de sa gravité ou de sa distorsion. Tyranocif. Tyranocif, c'est type sol ça, non? Oui, il me semble que c'est type sol. Sol ténèbre, non? Oui, c'est ça. Niveau 70 par contre, hein, vous vous rendez compte que l'écart de niveau est assez ahurissant. Et bon, ça nous rapportait un paquet d'XP. Aïe, l'éboulement qui va faire assez mal. Ouf. Mauvais pour moi ça. Et à part... ouais, je peux compter que sur l'hydro-queue parce que Dracochar, je suis pas sûr qu'elle mette KO. Donc allez hop, une hydro-queue. En espérant que ça fasse un coup critique ou qu'elle soit un peu plus puissante que l'autre. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Dommage. Mais c'est pas grave. On a bien combattu. De toute façon, je m'attendais à que ce soit un combat assez compliqué. On va jouer à Ligature. Et si ça tourne mal, je sortirai Skyno. J'espère juste que je vais pas regretter d'avoir perdu Dracolos aussitôt dans le combat. Ça lui fait rien, hein.
tank bien ce Pokémon. En plus, il a beaucoup de niveaux de plus que moi. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ouais, mon surf est plus puissant, mais attendez. Physique spéciale. Moi, mon Pokémon, il tape sur quoi? Il est plus puissant en attaque spé, en attaque normale, hein. Donc ouais, c'est peut-être l'hydroqueue qui devrait être un meilleur plan. Voyons voir. Est-ce que mes calculs sont bons? Oui! C'est beaucoup plus efficace. Aïe, l'éboulement va me faire un peu mal, mais je pense tanker ça, hein. C'est pas du tout ma faiblesse. Aïe, aïe, aïe. Ok, surf. Finissons-en vite. Voilà. Il a plus de tir nocif. Ah là, je prends cher. Rhinastock. Bah, c'est un type sol roche, donc là, j'ai pas vraiment d'autres moyens. Je garde Alligator parce qu'il doit être plus rapide. Du coup, si je fais un surf ou un hydroqueue, je peux peut-être le mettre KO. Je vais peut-être perdre mon alligator dans la bataille, mais au moins j'aurais mis très cher à son Pokémon. Voilà. C'était un pari risqué et je l'ai pris. Arcana. Bah, c'est la même chose, hein. Même si Arcana, je pense qu'il va être plus rapide là sur le coup. Ouais, il a vitesse extrême. Mais c'est pas grave. Par contre, j'aurais bien aimé garder du coup mon Dracolos, hein. Ça va être gênant, mais c'est pas grave. Je vais jouer au Carnage. Ouf. La boue de feu qui fait mal. Très mal. Très 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 mal. Allez, en espérant que la Ender fasse un peu mal. Pas du tout. Je suis dans une mauvaise passe là. Allez, vive attaque. Ah, il me dépasse. Mais avec mon Arcanin, je peux peut-être le battre. Je peux potentiellement le finir avec mon Arcanin. Si je fais une vitesse extrême et qu'il se prend après la tempête de sable. Voilà. Ah non, il va tanker l'enfoiré. Bah oui, il va tanker. Mais je peux pas faire grand chose de plus, hein. Il reste combien de Pokémon? Parce que je crois que je vais devoir réanimer, hein. Je dois réanimer au moins mon Dracolos ou mon Alligator. On peut essayer, hein. Je spam les vitesses extrêmes parce que c'est ce qui va lui faire le plus de mal, hein, à part la morsure. Il n'y a pas vraiment autre chose d'aussi puissant. Ok, il m'a augmenté ma puissance de feu. Allez, une morsure. Je vais toucher par la vitesse extrême et je pense que je peux survivre. Ouais, je peux survivre. Allez. Je la tente.
Ah, il retire son Pokémon. Et il balance un Mâconnière. C'est pas grave, je vais pouvoir gratter les dégâts. Je gratte les dégâts. Lance-flamme. On va brûler son Mâconnière. De toute façon là je peux plus vraiment switch Arcanin en fait, il va être foutu, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse un maximum de dégâts pour pouvoir le terminer après avec Scarino et mon autre Pokémon Steelix. Est-ce qu'il lui reste combien de Pokémon? Je sais pas combien il reste de Pokémon mais ça peut être possible, ça peut être faisable. Je fais un aéropiqué. C'est très serré, hein, c'est très très serré. Roux carnage. Je mets Steelix. Est-ce que je peux prendre Scarino et prendre des risques, mais on va jouer Steelix. Parce que là, si je fais la lame de roc. Il va prendre très très cher. Midlife, ok. Il va se prendre un peu de dégâts de tempête sable. Moi, je vais refaire une lame de roc derrière. Ah, il se soigne, l'enfoiré. Allez, une autre lame de roc. Elle passe. Je crois qu'il a des essais de guérison, donc là, je peux quand même être un peu plus tranquille. Ah non, il l'avait pas utilisé sa deuxième guérison. Bon, bon, moi là il a utilisé, il pourra plus soigner son Arcanin. Et je pense pouvoir tenir combat. En espérant que je rate pas trop mes lames de roc. Ok, elle passe. C'est assez dur, hein. C'est très compliqué les amis, là c'est un match vraiment serré, mais assez épique. Si on gagne, ça sera magnifique parce que je n'ai aucune guérison. Ah, il me met mal, il me met mal. Voilà, il est KO. Et là, il reste plus que son Arcanin. Non. Vas-y, aie confiance. Ton imprudence te coûtera le match. Ouais, bah là, je peux plus faire grand-chose. Mais d'où t'avais une guérison encore? Oh, ça, c'est pute. Il a laissé 3 guérisons. Oh Blue, dommage, pour toi on a pu faire un match magnifique et là t'as gâché tout. C'est moi qui étais imprudent? Oui. Il fait une boue de feu mais il est KO. Il me tue mais il est mort aussi. Ah non. Bah là j'espère juste que je suis plus rapide que Arcanin quoi. On tente. On tente les amis. On tente, je sais pas, on tente. Ah faut que je tanque. Si je tanque pas je suis mort. Mais après il est mort aussi mais. Allez Scarino. Non Scarino.
Ok, il est KO aussi. C'est une égalité du coup, hein. Mais ça considère que j'ai perdu, sérieusement. Eh, on est d'accord, j'ai gagné, hein. C'était un match d'égalité, là. Oh, salaud. C'était un match magnifique et il a fallu qu'il joue pute. Est-ce qu'il est encore là? S'il est encore là, je prends ma revanche. Je m'en fiche. Et je le déglingue cette fois-ci. Parce que je joue mon Dracolos. Il est encore là. Alors toi, t'as voulu faire le malin, hein. Ça a voulu jouer. Et bah, tu vas voir qui c'est qui va jouer à la fin. Hop. À nous deux, Blue. Revanche. À deux, mes amis, je veux le battre. Je veux le massacrer parce que là, c'était une égalité et il m'a compté comme perdu. Alors que je n'ai pas perdu. Je l'ai... Même si son Pokémon s'est effondré avant mon Scarino. Donc c'est injuste. Pour à peine, prends ça. Ok, ça me cœur en un coup. J'ai un petit peu peur. C'est pour ça que je parlais pas trop. En plus, tes Pokémon sont plus élevés que moi et je t'ai mis une raclée. Salaud, t'as utilisé 40 000 fois ton soin. Allez, alligator. Va voir, je vais te montrer avec quel bois je me chauffe. Bon, moi il me fait level up, hein, il me fait XP de ouf, mais... Ah, il tank. Il me fait Nam de Rock. Ah, il va me blesser là, il va me faire assez mal. Oh oui, oh oui, oh là là. C'est que ça fait mal, ça. Allez, hydroqueux. Ça peut peut-être mettre KO. Allez, on croise les doigts. Ça met pas KO. Mais je suis plus rapide que lui. Voilà. Oh, surpuissance. Une attaque puissante mais qui baisse l'attaque et la défense du lanceur. On est d'accord qu'on met à la place de Drocu, hein. Arcanin. Allez, on met on laisse Alligator se battre contre Arcanin. Mais sa vitesse extrême va me battre, bien entendu. Fallait que je m'en doute. Dracolos. On peut espérer que je mette un KO avec ça. Avec l'hydroqueux, hein. La boue de feu ne devrait pas me faire trop de dégâts. Voilà. Si je mon hydro que derrière, il va prendre très cher. Voilà, prends ça. Encore une hydro que. Il met à midlife mon Draco, l'os, mais c'est pas grave, parce que moi je le bats. Du coup. Tyrannosif. C'est un truc pour Skyno, ça. Genre un close combat Megacorn, ça devrait faire l'affaire.
Et hop, une méga corne. Pour voir comment, à combien ça fait mal. Ça lui fait très très mal. Hein. Mais il a le croc-feu. Ça, je vais douiller. Oh, mais je le tank. Et là, par sécurité, close combat. C'est pas grave qu'il désigne guérison parce que le close combat va lui faire au moins assez de dégâts pour que je puisse l'achever au prochain tour. Et vu que je suis plus rapide, je pourrais le battre. Tout ce que ça va faire, ça va me gratter des PV à cause de la tempête de sable, mais c'est pas dramatique. Voilà, je le mets KO. J'ai pas osé faire un close combat au début, mais j'aurais peut-être dû. Roux carnage. On va mettre cet Ilix. Regardez comment ça se passe beaucoup mieux que la dernière fois. Là, les amis, on va gagner. À la fin, il reste ma cogneur. Cogneur qu'on se fera avec Roux Carnage ou avec Skyno si ça se passe mal. Allez, lame de roc. Faut juste qu'elle passe une fois ou deux et on sera bien. Si elle passe. Après moi ça m'arrange parce que pour l'instant je prends aucun dégât et lui il se prend la tempête de sable. Mais j'avoue que c'est très très chiant hein, parce que là je suis en train de spammer lame de roc et il n'y en a aucune qui passe. Il m'en reste encore deux. Plus qu'une. Je vais devoir le baisser du coup. Parce que si ma lame de roc elle passe et qu'après il se soigne, je suis foutu. Mais j'ai encore Dracolos, non? Parce qu'au pire je peux utiliser Dracolos. Ah, quel enfoiré! J'espère tant qu'il pouvant. Ok, il retire son Pokémon. Il met son Macogneur. Mais ça ne change rien. Tu me fais faire que gratter des dégâts. On va même te mettre KO. Je peux le mettre KO, je pense. Il va peut-être me mettre KO avec son dynamo point. Mais au pire j'ai Roux Carnage, hein. Vous le savez, j'ai Roux Carnage. Et j'ai Skyno. Donc il a concrètement il a perdu mais de ouf. Il a perdu. Il peut plus rien faire. Parce que là son Pokémon est affaibli, je sors mon Roux Carnage qui est en forme. J'ai encore Arcanin qui est en forme. J'ai Dracolos et Skyno qui peuvent encore se battre. Pour au moins lancer une attaque. Donc j'ai gagné. Ah, il tank. Il a la trouille. Attends. Il tombe pas KO. Ok, bon, lame d'air. Il se soigne, mais je suis une lame d'air et après je fais vol. Comme ça, il pourra pas me toucher. À part s'il me fait une lame de roc, mais... Avec un peu de chance, je pourrais le tanker. Ok. Il est presque mid-life, donc si je fais vol, je peux peut-être le toucher. Aïe, la lame de roc. C'est pas bon ça. Allez, non, je tank pas, dommage. Ah, qu'est-ce que c'est con. Je suis dégoûté, je dois l'avouer. Mais c'est pas grave. On balance Carino.
avec aéropiqué. Je le mets low. Mais là, là il... son Mâconnière est très problématique. Allez, Arcanin. En espérant qu'il se soigne pas. Non, c'est bon. Voilà, et maintenant je sors mon Dracolos pour l'onde de choc. Pour être sûr de toucher le Rocarnage. Voilà. Ça devrait pouvoir passer. Vas-y, aie confiance et ton imprudence te coûtera le match. On va voir c'est qui le plus imprudent entre nous deux. Allez, onde de choc. Ça ne met pas KO. La tempête de sable va gratter les dégâts. Et ma deuxième onde de choc va le toucher. C'est moi qui étais imprudent? Oui. Ah, il me fait son retour. Mais je tank. Je fais l'onde de choc. Et tu es fini. C'est terminé. J'ai battu le champion Blue. Tu es la personne la plus impressionnante de tout Johto. Et oui, on a enfin gagné. On a vaincu tous les champions, sauf Major Bob. Même les provocations ne marchent pas contre toi. Et voilà, donc je vous laisse là, sur cette magnifique victoire. C'était un peu limite, mais au pire, j'avais Arcanin pour terminer son Pokémon. Donc je pense que dans tous les cas, j'aurais gagné. À moins que j'aurais eu un gros coup de malchance et que j'aurais raté toutes mes attaques, mais ça m'aurait étonné. Nous avons vaincu. Je vous laisse là. On s'attaquera à la ligue dans le prochain épisode. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite du coup pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon HeartGold. Et d'ici là, à la prochaine.